Les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo sur GTA 5 Online en 1.50. Petite vidéo de glitch pour vous montrer comment modder ces véhicules avec le RC Bandito. Donc pour commencer, il faudra spawn au bunker. Voilà, vous allez dans options et vous allez mettre. Enfin, moi je suis en dernière position, mais j'ai spawn au bunker, vous inquiétez pas. Vous allez mettre bunker, voilà, tout simplement. Moi c'est le bunker de la ferme. Après, vous rejoignez l'arène normalement, hélicoptère, téléportation, tout ce que vous voulez, ça fonctionne. Vous prenez le véhicule que vous voulez modder. Donc pour ma part, ça sera la Heli-Gear H8 pour l'exemple. Vous allez la mettre dans l'atelier. Donc pour voir le RC Bandito modder, j'ai fait une vidéo il y a une ou deux semaines. Il marche tout le temps. Là, il marche toujours. Donc je vous la mets en description si vous voulez modder votre RC Bandito. Voilà. Donc vous allez faire flèche de droite dans le menu du RC Bandito. Vous allez faire rond et croix. C'est tout. Il n'y a rien de plus simple. Après, vous allez monter dans votre voiture. Et vous allez maintenir option, et dès que vous relâchez option, vous faites flèche de droite. Flèche de gauche, excusez-moi. Voilà, du premier coup, normalement vous allez atterrir sur ce menu, et votre voiture aura disparu. Quand votre personnage il se mettra à courir comme ça, vous allez faire première personne, et là vous allez faire une petite emote pour vous débugger. Là le glitch il est terminé, il va juste falloir aller récupérer sa voiture. Donc voilà, moi elle est ici. Donc vous pouvez voir, il a pris exactement tous les modages, peinture, roue. Normalement, si vous l'avez modé comme je l'ai fait dans la vidéo, vous avez tout qui est à fond. C'est-à-dire, je vais vous montrer. Donc par exemple, blindage, moi il est à fond, freins ils sont à fond. Bon, pare-chocs, ça on s'en fout. Donc voilà. Donc pour la sauvegarder, c'est important, vous allez juste changer quelque chose. Moi je vais pas la sauvegarder parce que je veux garder mon ancienne voiture. Et voilà, c'est tout pour le glitch. J'espère qu'il vous a plu, c'était ultra rapide. N'hésitez pas à aller dans la description, je vous mets le lien pour modifier son RC Bandito, pour le modder plutôt. Et sur ce, bon après-midi, bonne soirée, ciao tout le monde.